Salutations, c'est Casse-Gueule et on se retrouve donc pour ce troisième et dernier d'ailleurs épisode de Saint-Céa Deck Building où on affronte Hilda dans son mode solo. C'était donc même à Hilda de jouer. Donc elle va lancer le dé. On perd pas de temps, elle fait un 3 et je me défausse. Donc elle récupère Iki. On switch sur elle, hein, on remontre ça. Donc Iki est la sixième carte qu'elle a en main, donc elle doit s'en défausser une. Elle n'a que 5 cartes en main. Et voilà, quant à moi, je dois me défausser d'une carte au hasard de ma main. Je ne sais plus ce que j'avais pioché. De toute façon, je les avais gardées face cachée. Voilà, on va dire celle-ci. Ah, pour une fois, c'est Marine. Bon, ben voilà, c'est Marine. J'avais mon armure en jeu, ça c'était plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai en main? Ah, ok. Alors, lui, il coûtait un de plus à cause du guerrier du garde d'Asgard qui était à côté. Donc, les 10, ça va être chaud. Lui, il est jouable parce qu'il coûte 5-5, donc 5 en attaque ou 5 en cosmos. Par contre, en cosmos, bah, j'ai que 3. Mais lui, il a déjà 3 en attaque. Donc ça, c'est parfaitement jouable. Je fais comme ça, 3, 4, 5, ça c'est pour moi. Le truc, c'est que là, je viens de terminer l'armure d'Odin. Donc, on retourne la statue et on a un nouvel effet qui s'applique. Alors, une seule fois durant mon tour, je peux défausser mon armure équipée pour qu'un héros en jeu gagne 2 en attaque et 2 en cosmos. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Par contre, le reste de la partie, les effets de sortie sont appliqués 2 fois. Voilà, donc lui, il a été récupéré. Donc il n'y a pas d'effet de sortie, il est juste dans ma défausse. Voilà, voilà. Il me reste 2 de cosmos, j'ai mon armure en jeu, j'irai pas bien loin avec ça. Ah oui, j'avais dit que les guerriers coûtaient 1 de plus. Merde. Attendez, lui il coûtait combien? Il coûtait 5 parce qu'il était en promo, donc il était quand même à 6. Moi j'ai dépensé 5, donc il faut que je dépense aussi lui. Voilà. Comme ça, on est bon dans les comptes. Et elle, je vais m'en défaut. Je remélange ma défausse. Je me repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, il disparaît. Chaque joueur détruit un personnage en main. Je vais pas réfléchir 2 fois. C'est lui que je détruis. C'est le seul à avoir des points de victoire négatifs. Donc, il est détruit. Pour ce qui est d'Hilda. Détruire une carte, c'est se priver de points de victoire. Donc, dans le cas d'une destruction, elle va détruire une carte qui vaut le moins de points de victoire possible. En cas d'une blessure ou d'un gel, ça va se faire plutôt au cumul de la force et du cosmos. Donc, dans ce cas-ci, elle va détruire celle-ci qui vaut 0 points de victoire. Elle est à égalité avec Phénix Noir, mais vu que Phénix Noir a quand même plus au cumul en force et en cosmos, Phénix pour elle est plus intéressant. Donc, voilà. Ah bah pardon, c'est détruit, ça va pas dans... Ça vient ici, sous son token de destruction. On continue le remplissage. Et on a Phaeton. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Détruire un personnage de votre main, puis piocher 2 cartes. Ouais, non. Non, ça peut être sympa, peut-être avec Iki, mais là, non. Du coup, on passe au 18e tour. Elle fait un 2 de pioche, donc elle récupère celle-ci. Bon, vous connaissez avoir le truc, elle pioche une carte qu'elle met ici, du coup elle doit défausser celle-là. Ben, celle-ci est sauvegardée. Voilà, quant à moi. Ah, elle est déjà revenue celle-là. Ouais, du coup, je joue avec 4 cartes, puisque ben, j'en ai une qui vient d'être détruite. Enfin, j'aurais rien su faire avec, de toute façon. Donc... Alors, en cosmos, j'ai 1, 2, potentiellement 4. Je peux tenter ça, là-bas. Je joue jeune pour le cosmos, mais de toute façon, elle a un coup en cosmos, donc je pouvais de toute façon piocher une carte. Ok. Donc ça, c'est bien quand j'ai des armures de bronze. Alors, donc ça fait... Sean, ah non, c'est Yoga qui gagne plus 1 en cosmos, ouais, c'est vrai. On est pas... Donc 3.
4. Bah c'est bon, 4, puisqu'elle est en promo. C'est pour moi. Alors, c'est quoi son effet? Quand je la défausse, je peux blesser un de mes chevaliers en main, puis un chevalier en jeu gagne 4 en attaque. C'est plutôt fort. C'est plutôt fort, mais bon, là je peux plus faire grand-chose. Ça, je vais le défausser. Cette armure-ci, je vais la garder. Tant qu'il n'y a pas de chevalier d'or en jeu, je vais me défausser de celle-ci. Je vais plutôt mettre celle-là. Voilà. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Lui, il disparaît. On sera tranquille avec le prix des guerriers. Ah, ça c'est intéressant pour moi, mais là c'est un peu tard. Et lui, vaincu, chaque adversaire blesse deux personnages de sa main. Ok, on passe donc au 19e tour. Lancement du dé. Oula. 6 de Cosmos. Donc, évidemment, elle récupère direct le guerrier divin, comme à chaque fois. Ça va pas être évident de gagner. Hein. Là, j'ai fait un peu de la merde. Enfin, c'est elle qui, à chaque fois, tombait sur les guerriers. Ok, donc pas d'effet de sortie, puisqu'elle l'a récupéré de façon legit. Et on fait le cumul de son cosmos, c'est-à-dire. Bon, je vous les montre là. 1, 2, 4, 5, 6. Et il faut pas oublier l'armure, donc 7. Elle défausse le tout. Et elle récupère, bon, bah, pour 7, elle n'a pas trop le choix, il n'y en a qu'un qui a du cosmos. C'est une nouvelle armure, c'est l'armure du Capricorne. Du bélier, pardon. Et maintenant, à moi, tant qu'à faire, j'aimerais essayer de récupérer le chevalier du poisson, qui vaut 6 points de victoire. Par contre, c'est de l'attaque. Donc lui, on avait dit qu'il avait 3, 4, 5, 6, 7, ouais, non, c'est pas un souci, en fait. C'était quoi, lui, encore son effet? Quand je le gèle, placez dans votre défausse une robe divine en jeu d'un adversaire. Bon, ben, pour l'instant, il n'en a pas. Et lui, quand je le gèle, geler une carte de la défausse de chaque adversaire. Ça peut être pas mal, mais bon, là, je vais plutôt tenter ça. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Bon, là, lui, je vais même le défausser. Donc voilà, chevalier du poisson, c'est pour Bibi. Boum. Je me refais une main, donc je pioche 4 cartes, puisqu'il m'en reste une. 1, 2, 3, 4. Lui dégage. On passe au 20e tour. Ça diminue. J'oublie aussi d'utiliser mes effets avec la puissance là. Enfin, encore un 6 de Cosmos, donc elle récupère. Par contre, la seule carte qu'elle peut défausser, enfin oui, elle peut défausser celle qu'elle vient de récupérer, donc le Django qui vaut 1 de Cosmos, ainsi que l'armure du bélier donc qui vaut 2. Donc ça lui fait 3 de Cosmos. Elle récupère donc Geeky de l'ours qui vaut 2 points de victoire. Quant à moi, est-ce que je récupère Sean? Il a 2 d'attaque, donc c'est pas si mal, et il est facilement récupérable, puisque, bon, en fait, les effets des chevaliers noirs, c'est à chaque fois la même chose. C'est-à-dire que quand c'est le bon chevalier qui combat, il coûte 2 de moins. Donc ici, comme Shun, c'est moi, un Shun qui combat en dromède noir, son coût est réduit de 2, donc pour moi, il ne me coûte que 2. Mais il y a Hagen là-bas. 1, 2, 3. 4, 5, j'ai pas. Par contre, je peux défausser l'armure du lion, blesser un des chevaliers que j'ai en main, puis un chevalier sur le terrain gagne 4 en attaque. Écoutez, je vais mettre déjà un chevalier sur le terrain. Ok, je vais défausser l'armure. Et donc je vais blesser un chevalier de ma main. Je vais blesser lui parce qu'il est pas ouf. Je le mets dans ma pile. Donc voilà, je vais la mettre là, on voit un petit peu. Bon, elle est là, hein. Voilà, je la cache. Mais... Donc, mon Sean ici, il a gagné 4 en attaque, ce qui fait qu'il a 5. Eh bien, 6, 7, et Hagen Demerak, il est pour moi. Il me reste un Sean que je vais garder pour le moment, et je vais repiocher 4 cartes. Alors, 1, 2, 3, je gagne un éclair, et 4. Lui, il dégage, on redécale,
On voit, hein, c'est vraiment en fin de partie qu'on a suffisamment de puissance pour acheter plusieurs cartes. Au début, on se fait rouler dessus. Ah, oh, le lion, ça serait sympa, j'arrive à le récupérer. Ok. Alors lui, quand il est vaincu, il blesse tous les personnages sans armure ou bronze utilisés pour le combattre. C'est Algol. Algol de Percé, le chevalier de la Méduse, là. Et Spica. Spinka qui combotte avec Leda. Je sais même pas si on l'a déjà vu. C'est pas très grave. On passe au tour 21. 6 de Cosmos encore. Elle récupère donc celui-ci. Elle n'a rien à défausser qui possède du Cosmos. Donc ça s'arrête là pour son tour. Quant à moi, alors, le lion il coûte 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être juste. Hein. Ça va être juste. Est-ce que je le tente en Cosmos? 1, 2, 3, 4, c'est peut-être plus joie comme ça. Je tente Cosmos, donc je peux piocher une carte. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas très grave. Alors, j'ai l'effet de l'armure d'Odin. Là. Une seule fois par tour, vous pouvez défausser votre armure équipée. Ah merde, j'ai pas d'armure. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait m'aider? C'est ici. Alors, retirer deux cartes, j'avais dit, hein, donc sans armure, bronze ou argent du terrain, puis un jeune en jeu gagne 3 en Cosmos. Donc on va retirer Spica et Oko. Lui gagne 3, ça lui fait 4 déjà. Donc 5, je pourrais mettre lui direct, mais je vais le garder. Et 6, donc lui, il vient dans ma main. Ce qui fait que l'air de rien, il me reste quand même 4 de Cosmos, ça ne m'aidera pas beaucoup. C'est quoi l'effet du lion? Aiolia du lion gagne plus 1 en attaque et plus 1 en Cosmos lorsqu'il combat la dernière carte du terrain. Je ne pense pas que ça concerne, dans ce cas-ci, Bud. Je pense que c'est vraiment quand il combat la dernière là-bas. Je sais que le taureau a un effet similaire quand il combat la première. Je pense pas que le fait qu'il soit là, ça compte. Faudrait que je vérifie, mais bon, je vais pas faire ça maintenant. Bon, c'est pas très grave, donc je disais 2, 3, 4 en force. C'est dommage parce que lui, il va disparaître et il va appliquer son effet de sortie deux fois. Donc chaque joueur détruit ses guerriers divins marqués. Je n'ai pas de guerrier divin marqué, et elle non plus. Donc ça va, c'est pas ultra gênant. Ce que je vais faire, c'est que je vais me défausser du Shun ici. Et de lui aussi, je vais garder ceux qui ont du Cosmos. Là, ça me fait quand même déjà 4 de Cosmos en main, c'est plutôt pas mal. Je repioche donc, j'ai plus d'éclair, hein. Je repioche donc 3 cartes. 1, 2, 3. Je les montre direct ce coup-ci. Cosmos, 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 c'est pas si mal. Donc lui, il dégage, mais ouais, l'inconvénient, c'est qu'il vient chez Hilda. Lui, il décale là-bas. J'abus. Balmung, on joue pas avec en solo. Ichi de l'hydre. Mim de Benetash. Benetash, moi j'ai plus. Qui est sympa lui, il a un chouette effet autant que je me souvienne. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Seuls les personnages sans armure et les armures peuvent être acquis. Ah, ça c'est chiant ça. Alors moi, ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je retourne ceux qu'on ne peut pas acquérir. Donc seuls. Qu'est-ce qu'il disait? Seuls les personnages verts, donc sans armure, et les armures peuvent être acquis. Ça veut dire que là, on ne peut acquérir personne tant que lui, il est là. Voilà, comme ça, je ne me trompe pas. On passe donc au tour 22, et c'est au tour de Hilda. Qui fait un 2 de pioche, donc elle récupère directement ce... garde, ce qui fait que les chevaliers sont de nouveau accessibles. Enfin bon, elle a activé son 2 de pioche, donc elle doit piocher une carte. Bon, moi ça défausse, je vous la montre. Donc c'est une armure du bélier qu'elle remet donc dans son espace d'armure. Et elle sauvegarde son petit paquet de cartes ici. Hein, ça fait quand même déjà quelques points de victoire qu'elle va remettre sur son plateau de jeu. C'est à moi. Bon, il y a deux guerriers divins qui peuvent être sympas. Mime en particulier, on va regarder les effets. Quand on le gèle, on peut défausser autant de cartes que souhaité et puis piocher le même nombre de cartes plus une. Donc ça, c'est plutôt sympa quand on a une main bof. Quant à lui, chaque adversaire gèle tous les héros de sa main puis pioche une carte. Bon, ça c'est moins bien.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je peux le récupérer comme ça, one shot dans ma main. Ce que je vais faire. Hein. Donc voilà, je joue mes 7 de cosmos devant lui. Voilà, je défausse et je le récupère dans ma main. Le fait de l'avoir récupéré, ça évitera aussi d'activer l'effet de sortie qui nous dit donc chaque joueur gèle une armure en main ou défausse un ki en main. Ça aurait pu être chiant parce que les effets de sortie sont appliqués deux fois, donc geler deux armures si je les avais en main, ça aurait été quand même un petit problème. Voilà, ça dégage. Hop, hop. Ouais, j'ai pas repioché mes cartes. Il faut piocher les cartes avant de remplir le terrain puisque les effets de fois s'activent en fonction. 1, 2, 3, 4. L'armure du poisson et un chéri noir. On passe donc au tour 23, l'avant-dernier tour. Elle fait un 2 de pioche. Elle récupère l'armure du poisson. Elle va donc défausser son armure du bélier et elle met l'armure en jeu. Ensuite, elle pioche une carte, donc elle reprend son armure du bélier, elle défausse son armure du poisson. Et voilà, bon, c'est un move un peu con, mais c'est comme ça. C'est à moi. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Eh bien, on a Albéric de Mégrèze qui coûte 8, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6. Et l'armure du lion nous permettait de blesser un de vos chevaliers en main, puis un chevalier sur le terrain gagne 4. Alors, est-ce que j'ai un chevalier qui pourrait être blessé? Bon, déjà, le seul chevalier que j'ai, on va dire. Bon, Saga, je ne vais pas le blesser, il a quand même 3. Je pourrais blesser Sean. Mais alors, ça ne marcherait pas. Hein. Puis un chevalier en jeu gagne plus 4. Ouais, je pourrais. Je pourrais. Donc, imaginons que je blesse Sean. Je fais mon calcul. Hein. Que je jouerais Saga qui a déjà 3 de base, mais là il gagnerait 4. Donc il aurait déjà 7 à lui tout seul. Ça me paraît pas mal. Écoutez, bon. Du coup, je vais jouer l'armure du lion. Voilà, je vais la défausser. Je vais blesser un joueur en main. Je pourrais même blesser lui, tiens. Voilà. Donc lui, il est sur le terrain, il a 3 et il vient de gagner 4. Donc il a 7. Voilà, 8. Et c'est pour moi. C'est cadeau. C'est vrai que j'aurais pu aussi, juste en défaussant l'armure, utiliser l'effet de d'Odin, mais bon, c'est pas grave, c'est bon comme ça. Je repioche 4 cartes. Je pourrais récupérer lui là-bas, parce qu'on est quand même au 23e tour, donc il y a peu de chances que je les revoie, les cartes. Donc je joue 2 de Cosmos pour récupérer Jabu, qui vient dans ma main. Par contre, lui, je saurais rien faire avec. Donc je le défausse et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Lui dégage. Hop! Aucun autre chevalier ne peut être acquis tant que Curagu, pardon, est présent sur le terrain. Et Cyrus du Grand Chien, que j'aurais bien voulu en début de partie. Alors, aucun chevalier ne peut être acquis. Donc lui, je vais le mettre à l'envers. Lui aussi. Bah lui, forcément, il reste. Ces deux-là ne sont pas chevaliers. Et voilà, on est donc au 24e tour. Et dernier d'ailleurs. Elle fait le 1 qu'elle ne peut pas récupérer. Donc, parce qu'il est chevalier. Par contre, elle active son effet de soin. Elle-même, dans sa main, n'a aucun soin. Donc, elle ne va pas défausser de carte ni rien. Par contre, elle va dégager tout ce qui est déjà ici. Donc, ça. Ça dégage et on re-remplit le terrain. Oh, est-ce qu'il a un effet? Non, je crois que c'est un rapport avec Shiryu, lui. Hein. Alors, arrivé, chaque joueur peut récupérer un héros de sa défausse. Oh. Donc, je récupère un héros de ma défausse. Dis-moi que j'en ai un avec une armure d'argent. Non. Bon, bah écoutez, on va juste récupérer celui-là, c'est déjà ça. Bon, Hilda, c'est pas la peine de regarder, comme je disais, elle n'a pas de héros, donc on est tranquille avec ça.
Alors, lui, il a un effet quand il est vaincu, détruire un personnage utilisé pour le combattre. Dio de la mouche. Albiord, c'est fait. Et encore un garde. Les personnages à sa gauche, coup de plus 1. Il n'y a plus personne à sa gauche. C'est magnifique. C'est donc à moi. Il va falloir que je récupère. Je pense que pendant la partie, la balance est plus intéressante que le cancer. Mais il se trouve que cancer, il vaut 6 points de victoire. Donc déjà, je vais mettre mon armure en jeu. Alors, si je tente le cosmos, bon, déjà je vais utiliser le soin là sur personne, c'est juste pour piocher une carte. Voilà. Donc, 2, 3, 4, 5 déjà de base, en sachant qu'il coûte 7 et que je vais piocher des cartes. Écoutez, je tente le cosmos sur la balance. Donc, comme j'utilise le cosmos avec un shun, je peux piocher une carte. Ok. Ça me fait 3 de cosmos, je peux de nouveau piocher une carte. Donc là, vous ne me voyez pas, mais bon, je mélange, hein, je vous assure que je mélange comme il faut. Voilà, je fais comme ça. Hop. Donc je repioche une carte. J'ai pioché Albéric. Donc là, j'en suis à 3 de cosmos. Je joue lui, comme ça je peux piocher une carte. Ça fait 4. Celle-là, je la joue juste pour piocher une carte, hein, c'est juste pour le soin. Voilà, ça fait 6. Et on va dire 7. Allez, comme ça. Hop, je récupère dans ma main le chevalier de la balance. Je n'ai pas utilisé mon armure, donc elle est toujours là. Lui, il lui faut 7 en force. Alors, 3, 4, 5, 6. Il y a peut-être un truc à faire là-bas. Alors, une seule fois pour. Donc, l'armure d'Odin, là, je regarde. Une seule fois. À votre tour, défaussez votre armure équipée pour qu'un héros en jeu gagne 2 en attaque ou en cosmos. Ah, un héros, zut, j'ai plus de héros. C'est bien ça qui est marqué, c'est un héros. Pas de chance, c'est pas de chance. Bon, c'est pas très grave. Je peux quand même venir ici jouer 2 de cosmos. 3, 4, 5 pour récupérer lui dans ma main. Ça, c'est défaussé, mais il me reste donc ces deux-là. J'irai pas loin avec ça, mais c'est quand même 2 points de victoire de plus. Et comme coup final, puisqu'on est au dernier tour, il me reste 2 d'attaque. Je vais utiliser 2 d'attaque pour récupérer le garde d'Asgard. Et c'est terminé. Alors maintenant, il va falloir comptabiliser les points de victoire. Alors, les cartes détruites. Où est-ce qu'elle est ma pioche de cartes Détruite. Elle est... Tout ce qui est dans ma pioche de cartes détruite ne compte pas, donc ça, c'est retiré du jeu. Par contre, les cartes blessées, gelées comptent. Même chose pour Hilda, ces cartes détruites ne comptent pas, mais elle n'en a que deux, donc ça va, elle s'en sort bien. Et on va simplement additionner la valeur de points de victoire qu'il y a en dessous de chaque carte, en lisant, parce que de temps en temps, il y a un effet spécial. Donc je vais faire une petite coupure et voir qui a gagné. Bon, écoutez, moi j'en suis à 68 points de vie, points de victoire dans mon deck, ce qui est pas mal. J'ai compté les cartes de Hilda. Malheureusement, elle est à 69 et j'ai pas compté les effets spéciaux, donc ça lui fait un point de plus. Mais il y a de temps en temps un effet spécial, comme le cas de Marine, mais dans ce cas-là, ça marche pas sur elle. Par contre, ici, elle gagne un point de victoire si vous êtes le chevalier qui possède le plus de, si vous êtes le joueur qui possède le plus de chevaliers d'argent dans son deck. J'ai pas calculé parce que de toute façon elle a déjà un point d'avance. C'est le genre de truc que je calcule que vraiment tout à la fin si c'est nécessaire parce que c'est chiant. Mais surtout, elle a une Athéna qui rapporte un point de victoire par groupe de 10 tranches de cartes dans son jeu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, elle gagnerait 2 points encore supplémentaires. Donc voilà, elle me bat de 4 ou 5 points peut-être avec, avec China. Voilà, c'est une défaite. J'ai pas eu de chance au niveau du dé. Elle m'a systématiquement pris ma grosse carte. Et puis surtout, je pense que ce qui m'a fait le plus de mal, c'est de perdre mon armure dès le premier tour de jeu.
dans l'épisode 1, qui a un petit peu foutu en l'air une partie de la stratégie. Mais c'était quand même une belle partie, c'était plutôt serré. Alors, ce que je trouve dommage, moi, dans ce mode solo, c'est que il y a des cartes qui, clairement, ne servent à rien. Je vais essayer de vous montrer un exemple concret, parce que j'en ai vu passer, hein, j'ai pas lu toutes les cartes. Mais voilà, par exemple, typiquement, Ichi de l'Hydre, défausser chaque adversaire, on doit défausser chaque adversaire, blesse tous les héros bronze de sa défausse. Hilda n'a pas de héros bronze, elle n'a pas de héros du tout, donc ça ne sert à rien. Voilà. Il y en a d'autres comme ça qui ont des effets qui sont vraiment inutiles. Bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Ce qu'on pourrait faire, à la limite, c'est peut-être faire un tri. Autant on nous demande de retirer, dans le manuel c'est marqué, hein, de retirer ces quatre cartes, et il manque encore l'anneau des Nibelungen qui se balade. Donc on a quatre cartes à retirer pour jouer en solo. Peut-être qu'il y aurait des chevaliers aussi à retirer parce que leur effet ne fonctionne tout simplement pas. Sinon, ça reste un jeu qui est quand même très agréable à jouer, et j'y jouais simplement parce que, comme je le disais, Poséidon sort bientôt. Je vais probablement prendre l'extension, enfin je dis probablement, mais je vais me la prendre puisque j'ai déjà demandé au magasin de me la garder quand elle sortait. Cette extension, j'espère, enfin je sais qu'elle rajoute un mode coopératif, je ne sais pas ce que ça vaut, peu importe, je sais que ça va aussi ajouter du nouveau contenu pour le mode compétitif. Donc par exemple avec la boîte de base, on avait juste l'horloge, c'était très sympa. Asgard ici rajoutait donc l'armure d'Odin, les effets de sortie des guerriers divins, et donc rien que ça, et surtout, oui, j'ai pas dit, mais ces plateaux-là, ça change quand même tout au niveau de la stratégie, donc ça c'est vraiment pas mal. Si on a autant de changements avec l'édition Poséidon, je dis oui. Je sais qu'il y aura déjà des petites cartes de, comment ils ont appelé ça, de destinée qui vont modifier les règles en cours pour certains tours. Donc je sais qu'il y aura du changement. Voilà. Donc ça c'est un deck building. Probablement pas le meilleur deck building au monde, mais c'est un deck building que j'aime beaucoup. Et ce qu'il y a de très sympathique avec le mode solo, c'est que la mise en place elle est pratiquement inexistante, hein. On sort le tapis, on met le paquet de cartes et on sort la carte d'Hilda et c'est tout. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement et on se retrouve bientôt. Salut!